Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans mon dressing que je ne vous ai pas encore montré. Oui, je suis en retard, je sais. Ben, pourtant je l'ai déjà filmé, mais voilà, j'ai chaque fois d'autres idées et du coup je reporte. Mais à un moment donné, il va falloir que je vous montre ce dressing hein, quand même. Alors comme vous le voyez derrière moi, maintenant c'est blanc, c'est plus noir, enfin un peu de lumière. Mais bref, on n'est pas là pour parler de mon dressing, mais de ce qu'il y a dedans. Tu vois ce que je veux dire? Donc oui, nous sommes là aujourd'hui pour un haul vêtements. Ça fait une éternité que je ne vous ai pas fait de haul. Il y aura du, of course, Zara. Oui, j'aime bien Zara. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime bien Zara, j'aime bien Zara. C'est ma vie quand même, voilà. Et vous aussi, vous aimez bien Zara. Ah ouais, ça, on est bien. Donc, il y a du Zara, du Mango et du Stradivarius. Ça, vous avez une petite, petit aperçu. J'ai beaucoup hésité pour le format vidéo, mais finalement, je kiffe déjà filmer ces petites vidéos haul que j'ai l'habitude de vous faire en musique parce que je trouve ça chouette en fait. Je trouve ça met un peu d'ambiance au lieu de parler. Oui, j'ai acheté ça, 19,90€, taille machin, taille ceci, taille cela. Je me suis dit, j'ai pas grand chose à vous dire. Après, c'est un vêtement quoi. Je veux dire, je voulais que je vous dise quoi. Oui, voilà, c'est en matière coton, en matière ceci. On s'en fout en fait, hein. On s'en fout. Je porte le vêtement, vous voyez à quoi ça ressemble et c'est bon les gars, hein. Donc, je me suis dit, je vais quand même les garder le format que j'ai l'habitude de faire parce que ça me plaît de le faire comme cela. Et en même temps, de toute façon, j'essaye de vous mettre tous les liens en barre d'infos. Comme ça, vous pourrez choper facilement si cela vous intéresse. Si ça, voilà. Ça faisait très longtemps que je n'avais plus fait de haul sur ma chaîne et je me suis dit, à un moment donné, il faut le faire. Surtout que ces derniers temps, j'ai quand même acheté pas mal de choses pour me préparer à l'automne 2020 qui n'arrive pas finalement parce que la semaine prochaine, il va encore faire 31 degrés. J'ai rien compris, mais bon, voilà. C'est comme ça, c'est comme ça. Hein. Voilà. Mais, donc, après, je m'en plains pas. Et voilà quoi. Bon, bah tant pis. Bref, donc, comme je vous le disais, il y a du Zara, du Mango et du Stradivarius. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. N'oubliez pas de liker ma vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Venez également me rejoindre sur Instagram où je vous poste évidemment tous les vêtements que j'achète. En général, je fais souvent des photos et je vous les poste. Voilà. C'est dit, c'est dit. C'est parti pour ce haul en musique. Let's go! Yeah.
pièces vous ont plu. En tout cas, moi je les ai achetées avec beaucoup d'amour et beaucoup d'argent aussi. Mais bon, voilà, c'est l'automne. Moi, je sais pas, à cette période, septembre, octobre, moi, j'ai toujours envie de faire des achats. C'est trop bizarre. Ouais, je sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, c'est cette période-ci, je sais pas, j'adore acheter des vêtements à cette période. Ouais, je vais me calmer quand même, hein. À un moment donné, faut se calmer, hein. Voilà. Alors, s'il y a des pièces qui vous intéressent, je les ai mis en barre d'infos pour vous faciliter la tâche, hein. Voilà, c'est sympa, hein, quand même. Voilà. Donc, voilà, c'était ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.